là on n'est pas au paradis honnêtement, tranquillement, sur un terrain de foot avec plein de ballons, parfait. Bien y avoir, me commande, j'espère que vous allez vraiment bien les amis. Écoutez, moi je vais super bien, je suis désolé pour le vent si vous entendez. Il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo concernant mon mauvais pied au foot, vidéo que vous avez beaucoup apprécié. Voilà, vous m'avez demandé comment améliorer ce mauvais pied. Comme d'hab, je vous rappelle, hein, je suis pas le meilleur avec mon mauvais pied, honnêtement, c'est juste de l'entraînement. Voilà, je me suis beaucoup entraîné avec ce mauvais pied, je vais essayer de vous donner quelques techniques, voilà, pour vous améliorer vous aussi. Donc si tu aimes ce genre de tuto et que tu en veux plus sur la chaîne, n'hésite pas à laisser le gros pouce bleu mon pote, on se fixe un objectif de 2500 likes, ça serait juste super. Et puis tous ces ballons nous attendent pour l'étape numéro 1. Bon, pour l'étape numéro 1, normalement il vous faut un ami. Et moi je suis tout seul actuellement. Johan, est-ce que tu es là? Non. Bon, ben on va faire sans lui. Concrètement, premier exercice, voilà, on peut penser que c'est un peu bête, mais non, pas du tout, c'est juste de vous entraîner avec un collègue à vous, voilà. Vous vous faites des passes de votre mauvais pied juste sans jamais utiliser votre bon pied. C'est vraiment pour travailler la répétition, voilà, vous entraîner à faire le geste encore et encore. Donc du coup, moi je vais faire avec le filet, voilà, qui est mon seul ami aujourd'hui. La solitude. Deuxième étape de ce tuto, c'est tout simplement savoir avec quelle partie du pied vous allez d'abord commencer à toucher le ballon. Vous l'avez vu, c'est bel et bien l'intérieur qui va être utilisé. C'est pour moi, je pense, la partie du pied la plus facile, voilà, à maîtriser dans un premier temps. Il va donc être important de bien définir la position de son pied d'appui, car le problème avec son mauvais pied, c'est qu'on arrive souvent à pas mettre assez de puissance. Et c'est donc avec son bon pied que l'on va positionner environ 5-10 cm du ballon qu'on va arriver avec la jambe tendue et donner de la puissance. Car au début, quand on commence, ça donne un peu ça. C'est la même chose qu'avec votre bon pied, voilà, tout simplement arriver à avoir un bon pied d'appui. Une fois donc qu'on a bien compris comment bien taper le ballon de l'intérieur, voilà, avec son mauvais pied, on va tout simplement travailler un peu la précision. Ça va rentrer dans la force puisque ça c'est vraiment avec le coup du pied. Vous allez donc faire un petit exercice, tout simplement vous mettre au point de pénalty et en fait viser par exemple la lucarne gauche d'en bas. Je sais pas si ça se dit la lucarne gauche d'en bas, mais on s'en fout. Donc c'est parti, on va s'entraîner. Attention, bowling. Maintenant on fait tout simplement la même chose avec la lucarne droite d'en bas. Alors même si parfois c'est la lucarne d'en haut, on s'en fiche puisque bon, le principal c'est de mettre une lucarne. Vous avez compris le truc, voilà, c'est tout simplement de répéter toujours, toujours et toujours. C'est comme ça jusqu'on s'améliore. Donc prends ton ballon et entraîne-toi mon pote. Dernière étape que je maîtrise un peu moins bien pour le moment, c'est tout simplement la frappe du coup du pied pour donner vraiment de la force et oublier un peu la précision. Ça va donc être vraiment une frappe du coup du pied avec un pied d'appui un peu plus loin et de tout simplement envoyer une lourde frappe en lucarne. La lucarne, toujours la lucarne. Et puis maintenant qu'on a dit tout ça, c'est parti pour de la pratique. Voilà, on va exercer ce petit pied gauche. Ça sent les frites, alors ça c'est pas gentil pour moi. J'ai faim. Mais non, le foot avant mon gars. Ah, celui-là il est beau. Et là c'était du bowling par contre. Nouveau geste réussi. Bon, je change de terrain parce que bon, sur l'autre, juste en face, il va y avoir un match. J'ai pas envie de leur envoyer un ballon dessus. Donc voilà, il y aura deux terrains dans la vidéo. Mais c'est pas grave, on continue. Au début, je vous rassure, vous allez faire beaucoup de frappes à terre, hein, des trucs qui n'arrivent pas à se lever. Mais bon, on continue, ça va toucher la lucarne. Oh là là, je reviens pas, je viens de revoir le replay. Quelle lucarne! Oh, je vous promets, je suis choqué. Franchement, je sais pas si j'ai déjà réussi à mettre une plus belle lucarne de mon vrai pied. Oh là 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 là, yes! Alors voilà les amis, c'est maintenant à vous de jouer, voilà, de vous entraîner de votre mauvais pied. Continuez, persévérez, ça va prendre du temps, mais au final vous allez y arriver. Je suis très content moi personnellement de ma très belle lucarne, franchement ça fait vraiment plaisir. J'ai essayé quelques gestes techniques aussi. N'hésite donc pas à laisser le gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et moi mon pote, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends vraiment soin de toi et peace!